Ce message vous est proposé par Rouha TV Channel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Chers frères et sœurs, d'abord c'est une grande joie d'être ici et de vous partager un petit peu ce que nous vivons autour de l'Eucharistie dans notre communauté. Mais permettez-moi d'abord de commencer par une expérience personnelle. J'étais à l'époque en stage d'avocat, de notaire, en politique. J'étais membre du Parlement, dans un Parlement cantonal en Suisse. Et j'étais confronté à la souffrance. Souffrance des familles déchirées, souffrance de familles blessées par un jeune dont je m'occupais, qui avait violé, brûlé 7 enfants. Et j'avais un cri qui montait dans mon cœur en me disant « Mais si l'amour ne règne pas, si l'amour n'éclate pas dans ce monde, alors où va aller l'humanité ?» Et vous savez, quand on montre quelqu'un du doigt, il y a toujours 3 doigts qui vous remontrent vous pour vous dire « Et toi, comment tu aimes ?» Alors j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir dans un home de personnes handicapées en Italie, fondé par le père Giuseppe Cottolengo à Turin. Je quittais le Parlement suisse, nous avions une session, je suis arrivé à Turin et le premier soir, fatigué, le frère qui m'avait accueilli me dit « Allons voir si les malades dorment bien ». J'espérais qu'ils dorment très bien parce que j'étais fatigué moi-même. C'est vrai qu'il dormait bien, mais quand on a ouvert la porte du dortoir, il y avait une odeur, vous savez, qui caresse le sens olfactif, et en fait, ça pue. Sur 20 malades, 18 étaient pleins de la tête aux pieds. Et le frère me dit, on va aller les nettoyer. Et je lui ai dit, avec beaucoup de compassion, oui, demain matin, bien sûr. Et il m'a dit, est-ce que toi tu aimerais dormir comme ça? J'ai dit non. Il m'a dit, ils sont faits comme toi. Et on a commencé. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, ça durait 2 heures. Mais une chose qui s'est passée, c'est que plus j'avançais, plus j'étais heureux. Il y avait cette parole qui résonnait dans mon cœur. Tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Au bout de 2 heures, dans ce dortoir, j'étais plus du tout fatigué. Et je suis descendu à la chapelle. Il y avait le Saint-Sacrement qui était exposé en permanence. Je ne sais pas comment vous le dire, ça fait plus de 20 ans, c'était une certitude, c'est Jésus qui est là. Je le savais intellectuellement, je le savais théoriquement, je l'avais découvert. Une certitude, Jésus sur le lit, Jésus sur l'autel, le même, l'unique, sous les apparences du frère pauvre, sous les apparences pauvres du pain. Le Christ, l'unique, le seul. Il n'y en a qu'un, vous savez, j'ai un ami qui est prêtre, qui était servant de messe, enfant, et il me raconte une histoire toute délicieuse qu'il a vécue. Son vieux curé, très fidèle, très fervent, mais très handicapé, après l'élévation, a déposé l'hostie sur la patène pour faire la génuflexion. Mais comme il était handicapé, il a dû poser les 2 coudes sur l'autel. Et en se relevant, l'hostie était rentrée dans la manche de l'aube. Plus d'hostie sur la patène. Le curé traumatisé dit au servant de messe, « Bon sang, il est où le bon Dieu ?» Et le servant de messe, qui était un fidèle du catéchisme, tout fier, se dresse et dit « Au ciel, sur terre et en tout lieu. » Et le curé lui dit « Non, pas celui-là, l'autre. » Vous avez compris, frères et sœurs, que le bon Dieu qui est au ciel, sur terre, en tout lieu, c'est le même qui se rend présent au Saint-Sacrement de l'autel. Un seul, Jésus. Le même hier, aujourd'hui, à jamais. Voilà le cœur du mystère de la stupeur eucharistique.
J'aimerais revenir dans ce petit témoignage que je vous partage maintenant sur une parole que disait le cardinal Barbarin tout à l'heure. Cette contemporanéité du sacrifice de l'autel avec le sacrifice de la croix. J'allais dire, c'est au moment même de la messe, au moment même de la consécration, au moment même de la célébration eucharistique, que l'éternité de l'amour pénètre le homme pour la transfigurer. J'étais l'année passée en Chine et au Tibet, rencontrer des communautés catholiques perdues dans les montagnes. Et je me souviens de cette messe à 6 heures du matin. Nous avions dû la célébrer dans les tables, derrière les vaches, pour pas que la police vienne nous chercher. Et ces gens regardaient l'hostie, affamés, assoiffés, de recevoir le corps du Rédempteur qui venait les trouver dans ce lieu. Je pense à la grâce que j'ai eue de célébrer cette messe en Côte d'Ivoire, à l'époque des troubles, à l'époque de la violence, devant, implorant avec mes frères et sœurs ivoiriens la paix pour ce peuple, la paix pour les cœurs. Et je me souviens bouleversé de cette dame qui est venue après la messe. Elle avait un enfant dans son bras, elle avait un grand bandage autour de l'autre bras. Et elle me dit qu'un jour les rebelles sont arrivés et ont voulu prendre son enfant et le tuer. Alors elle a dit « Non, prenez ma vie, pas celle de mon enfant. » Et quelqu'un a dit « Ivre, elle est sentimentale cette dame. » Et alors quelqu'un a dit « Alors nous aussi, on fera que lui couper le bras. » Et elle était là avec son enfant en disant « Voilà, mon enfant, il est là vivant. Mon bras a payé, mais c'est rien pour mon enfant. Et je suis ici pour prier, pour que la paix revienne dans notre pays. Et c'est à la messe que je reçois la force de pardonner à ceux qui m'ont fait ça. » Frères et sœurs, un seul moment spirituel, l'autel, le Golgotha, un seul moment où le Christ vient à nous, dans la pauvreté la plus déconcertante, nu dans la crèche, nu sur la croix, nu sur l'autel au Saint-Sacrement. Je pense aussi que cette nudité du Christ est une présence réelle, vivante, vivifiante, devant l'absurde du mal, devant le gâchis de la haine, devant le gigantesque scandale de la souffrance, Dieu a apporté une seule réponse, sa présence. Je pense à une fille de 15 ans qui est venue me trouver un jour dans le petit ermitage que j'habitais en Suisse. Quand j'ai vu la tristesse sur son visage, j'ai pu faire qu'une chose, c'est la prendre par les épaules et lui dire « Tu es belle, Dieu t'aime et je t'aime ». Ce n'est pas mon genre habituellement, rassurez-vous. Elle m'a dit plus tard qu'en psychothérapie familiale, son père lui avait dit « Tu peux crever, j'en ai rien à faire ». Elle avait fait 5 tentatives de suicide et ce jour-là, elle était montée avec un pistolet dans son sac. Elle m'a écrit après « À la fin de l'année scolaire, j'avais envie de crier à mes camarades la détresse qui me rongeait, ce dégoût de la vie qui me poussait à faire n'importe quoi. » Elle est venue passer 9 nuits d'adoration. 9 nuits devant le Saint-Sacrement, de 10h du soir à 6h du matin. Et je vous dis ce qu'elle m'a écrit après, le Seigneur devra m'écouter cette fois. Je vais aller devant lui, je vais le supplier de m'aider. Ce fut donc 9 nuits entières que je fis. Pendant 9 nuits, je présentais mes blessures au Saint-Sacrement et Jésus les pansait. Pendant 9 nuits, je laissais sortir toutes les meurtrissures de mon âme. Et la Vierge Marie me berçait dans ses bras pour m'apaiser. De ces 9 nuits, j'en ressortis transformé. Et elle me disait, j'étais tombé si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé à la lumière. Il y aurait des dizaines d'exemples à vous donner comme ça, mais avant de vous rejoindre, j'ai parlé aux jeunes que nous accueillons dans notre communauté. Nous accueillons des jeunes qui ont vécu la drogue, l'alcool, la violence, différentes souffrances de la vie.
Et j'aurais demandé d'abord de prier pour chacune et chacun d'entre vous, de porter dans leur combat quotidien ce grand congrès eucharistique qui est un signe prophétique pour l'Église qui est ici et l'Église universelle. Et puis j'aurais demandé de m'écrire sur quelques lignes qu'est-ce qu'ils aimeraient partager avec vous. Je vous en cite deux ou trois de ces petits témoignages pour être le porte-parole de ces jeunes. Il faut vous dire que nous avons dans nos maisons l'adoration perpétuelle de 5h du matin à 10h du soir. Et nous adorons également 2 à 3 nuits par semaine le Saint-Sacrement. Et alors je pense à Géraldine qui était restée enfermée chez elle pendant près de 2 ans, sans contact extérieur. Voilà 3 ans qu'elle est arrivée chez nous. L'année dernière, elle a demandé de recevoir le sacrement du baptême. Elle a pu faire sa première communion. Et avant de partir, elle m'a laissé ce petit mot que je vous lis. C'est le témoignage de Géraldine. C'est dans la foi en la parole de Dieu que je vais communier, que je vais adorer Jésus au Saint-Sacrement. Cette parole, c'est « Ceci est mon corps ». Et c'est sur cette foi que repose toute ma vie. C'est un besoin essentiel et vital pour moi de recevoir chaque jour Jésus dans la Sainte Eucharistie. C'est lui qui est toute ma force, mon seul courage, toute mon espérance, le seul véritable amour sans lequel je ne suis rien, je ne peux rien. C'est la nourriture indispensable à la vie de mon âme. C'est le seul qui peut me donner le bonheur et me délivrer de tout mal. Je pense encore à cette fille, à 13 ans. Sophie s'est retrouvée dans la rue, violée, droguée. Elle est arrivée chez nous à 18 ans. Et la seule angoisse qu'elle avait, sortant de la rue, c'est que nous ne l'évangélisions pas. « Vous n'avez pas le droit de m'évangéliser », disait-elle. « Tu es là, bienvenue, comme ça. » Et c'était un jeudi saint à l'heure sainte. Nous rentrions dans la chapelle et marchant derrière nous, elle nous dit « Vous n'avez pas le droit de m'évangéliser. » Elle est rentrée dans la chapelle tout de suite. Et c'est elle-même qui raconte. Elle était assise au fond, contre le mur, tout au fond. Plus au fond, ce n'était pas possible. Et à un moment donné, dit-elle, « J'ai entendu les paroles des chants que vous chantiez. » Et je vous dis ce qu'elle me dit. « Toutes les paroles des chants que j'écoutais avec nonchalance me touchaient. Elles me parlaient et résonnaient au fond de mon cœur. » J'étais inondé par la joie et j'ai eu la certitude de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. C'est tellement fort que j'ai dû sortir pour aller fumer une cigarette. Ça, c'est la tendresse de Dieu, vous voyez. Dieu vient nous chercher là où nous sommes pour nous conduire là où il est. Et elle me disait, il y a quelques jours en arrière, « Tu vois, Dieu me reconstruit petit à petit. C'est long, c'est difficile. Il va même jusqu'à reconstruire ma féminité que j'avais perdue. » Ces jeunes, voyez-vous, frères et sœurs, actualisent le mystère de l'Eucharistie, actualisent l'Évangile, nous rendent présents à cette stupeur d'un Dieu qui est vivant au milieu de nous. Ils nous donnent le réalisme de cette parole que saint Pierre proclamé dans les Actes des Apôtres, définissant Jésus comme celui qui passait en faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable. Eh bien, ces jeunes nous rajeunissent dans l'expérience de la stupeur eucharistique, nous manifestent la faim et la soif de vivre avec Jésus. L'Eucharistie aussi, frères et sœurs, c'est l'occasion de découvrir le visage du Christ en chacune et chacun. On raconte cette histoire qu'un peintre, un jour, s'approcha du pape Léon XIII en disant « Saint-Père, permettez-vous que je fasse votre portrait ?» Et le Saint-Père, très généreux, dit « Oui, bien sûr. » Quelque temps plus tard, le peintre vient avec le tableau et manifestement, il n'avait pas beaucoup de talent. Et le Saint-Père, très charitable, voyant le résultat, dit « Merci beaucoup. » Est-ce qu'on pourrait rajouter juste une citation biblique sur le tableau ? Alors, le peintre, tout heureux et tout ému, dit « Bien sûr, Saint-Père, tout ce que vous voulez, juste une référence, dit le Saint-Père. Jean 6, 20.
Alors quand on regarde Jean 6, 20, c'est l'épisode où Jésus s'approche des apôtres en marchant sur les eaux. Ils furent saisis de terreur. Et Jean 6, 20, c'est « N'ayez pas peur, c'est moi ». Parfois, nos frères et sœurs, nous-mêmes, nous ne reflétons pas le beau visage de Jésus. Et c'est pourtant là qu'il faut découvrir, derrière la personne blessée, cassée, le visage du Christ. Je me souviens d'un jeune qui était venu un jour en me disant « J'ai envie de te casser la figure ». Je lui ai dit « Dis-moi pourquoi, c'est toujours mieux de savoir pourquoi on se fait taper dessus ». Et à la fin, il m'a dit « Non, je ne peux pas de toute façon ». Et j'ai dit « Pourquoi ? Parce que tu n'es pas payé pour t'occuper de moi ». Voyez-vous, l'expérience toute simple déjà de la gratuité, de l'amour. L'Eucharistie nous invite à découvrir sur le visage de chacune et de chacun, une fois qu'on a reconnu Jésus au Saint-Sacrement, sous l'humble apparence du pain, sous l'humble apparence du pain, le Seigneur et Rédempteur du genre humain, de découvrir sous le visage de nos frères et sœurs, et parfois les plus déformés, le visage du Christ. On demandait à Michel-Ange comment il s'y prenait pour faire une belle statue. Et Michel-Ange disait « Je ne fais rien, je dégage de la pierre la statue qui s'y trouve déjà. » Il y a en chacun d'entre nous, depuis le baptême, le Christ qui est là. Et le vrai chemin spirituel est une opération d'ablation, d'enlever, de ôter tout ce qui défigure ce beau visage du Christ. L'Eucharistie nous invite à une autre logique. L'Eucharistie, frères et sœurs, nous invite à une autre logique aussi, celle du don de soi, du don au quotidien. Corps livré, sans verser. Corps non seulement donné, mais livré, abandonné, jeté, comme en pâture, pour que le monde vive de ce cœur donné. Je pense à un ami prêtre aujourd'hui, il était d'une famille de 10 enfants. Quand il avait 6 ans, pardon, son papa est décédé. Son petit frère avait 3 ans. Et subitement, quelques semaines, il est mort. La maman avait donc 9 garçons, une fille, c'est tout dire. Elle s'occupait seule avec une petite ferme de rien du tout, dans la pauvreté très grande de toute cette famille. Et un jour, le jour de son ordination, il a demandé à sa maman « Mais comment as-tu fait pour t'occuper de garçons comme nous, qui étions terribles ? Comment as-tu fait pour travailler la ferme et avoir toujours le sourire sur tes lèvres ?» Et la maman dit « Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'à 6 heures le matin, le curé de la paroisse célébrait la messe pour moi. Et avant de vous lever, de vous donner le petit déjeuner, j'avais reçu le corps du Christ. Et sans cette communion quotidienne, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. » L'Eucharistie se prolonge après avoir reçu le corps du Christ, le sang du Christ, dans l'adoration eucharistique. Je vous l'ai dit, ce serait trop long de dire toutes les merveilles que Dieu opère dans les cœurs, des miracles de conversion, des miracles de reconstruction, des miracles de confortation de la vie dans la foi, l'espérance et la charité. Juste un dernier témoignage d'une fille dont la sœur avait passé 5 ans d'héroïne. Elle s'est convertie un jour, elle est arrivée chez nous avec les cheveux rouges, pétants. Elle était toute maigre, elle ne voulait surtout pas aller à la chapelle. Une autre fille qui avait passé plusieurs années d'héroïne aussi, lui dit « Viens, je vais te montrer où moi ma vie a changé. » C'est justement à la chapelle, devant le Saint-Sacrement, et la messe allait commencer, elle s'est trouvée coincée dans l'église. Et voilà, le Seigneur a fait son œuvre. Mais sa sœur qui était dans la rue à l'époque est arrivée chez nous dans un état lamentable. Elle m'a écrit « J'avais une haine dans mon cœur. Je fumais des joints, j'avais fait plusieurs tentatives de suicide. Je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique à 15 ans, plusieurs plaintes pénales contre moi. J'avais le choix entre la prison et l'hôpital psychiatrique. J'ai choisi la fraternité Eucharistein. » C'est peut-être mieux. Et donc, elle est arrivée. Et je vous dis ce qu'elle m'écrit à un moment donné. Un jour devant le Saint-Sacrement, ça faisait des mois qu'elle était là,
Tout défila dans ma tête, devant moi, drogue, alcool, sexe, violence, psy. Je pleure toutes les larmes de mon corps, l'amour entré en moi, à mesure que ces expériences ténébreuses étaient offertes. Pleure de joie. Cette fille, et je vais vite parce qu'on me fait signe qu'il va falloir arrêter, cette fille termine aujourd'hui des études de sciences politiques après avoir été bouleversée par le Christ au Saint-Sacrement. L'adoration eucharistique, frères et sœurs, remet l'homme debout, nous établit non plus dans l'émotionnalité, mais dans la foi, l'espérance et la charité. Le regard de chair que je pose sur le corps du Christ exposé m'invite à poser mon regard de l'âme. L'intelligence et la volonté perfectionnées par la foi, l'espérance et la charité, c'est la seule possibilité pour avancer. Et puis, l'Eucharistie est au cœur du monde nouveau. Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde, ce n'est pas un slogan, frères et sœurs, c'est une réalité. Je pense à ce témoignage de sainte Faustine Kowalska, la sainte de la miséricorde, que Jean-Paul II affectionnait particulièrement et qu'il citait souvent. Et il disait « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. J'ai institué le trône de la miséricorde sur la terre. Ce trône, c'est le tabernacle. Et de ce trône de miséricorde, je désire descendre dans ton cœur. » Voilà, pas de paix dans les cœurs, pas de paix dans les âmes, sans ce trône de miséricorde qui est le tabernacle, qui est le Saint-Sacrement présent au milieu de nous. Voyez-vous, frères et sœurs, à l'Eucharistie, et j'aime cette expression de Benoît XVI, Dieu nous révèle, sa façon d'être Dieu nous révèle notre façon d'être homme, l'abaissement, la kénose, l'humilité du service, le don de soi jusqu'au bout. Le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, a le choix entre la transfiguration par l'adoration ou la défiguration par la consommation. Nous sommes appelés à être... Nous sommes appelés, frères et sœurs, et ce congrès eucharistique en est l'occasion privilégiée, à être témoins par l'adoration du Christ au Saint-Sacrement, du primat de Dieu, du primat de la grâce, du primat de la puissance déployée dans la faiblesse des hommes, du primat du don, du primat de la vie. Un prêtre demandait un jour à des enfants, mais peut-on connaître Dieu ? Oui, non, oui, non. Et à un moment donné, un enfant lève la main et dit, on le connaît que si on l'aime. Et le prêtre dit, ah, si on l'aime pas, on ne peut pas le connaître. Et l'enfant a eu cette réponse fulgurante, ah oui, si on l'aime pas, on le connaît de travers. Eh bien, frères et sœurs, l'Eucharistie, c'est l'amour de Dieu répandu au milieu de nous. C'est cette théophanie de l'amour dans la pauvreté la plus radicale qui nous appelle à la foi, à l'espérance et à la charité. Et ça nous permet de connaître Dieu tout droit. Amen. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.